Der Mensch war immer vor Situationen gestellt, die er nicht in der Hand hatte, die er nicht überblickte und vor denen er Furcht haben musste. C'est génial de voir autant d'entre vous ici. Bienvenue à tous qui sont dans la salle, à tous qui regardent sur Internet et qui participent au congrès partout. Nous avons pensé qu'on allait préparer quelque chose de très, très spécial pour cette introduction. Et je laisse la place à Blinry. Il a laissé ça, il a préparé ça pour vous. Attends, c'est pas toi qui voulais préparer ça? Non. Oh mince, on aurait dû se coordonner. Les gens regardent tous là, ils pensent que nous sommes le keynote comme chaque année et ils pensent qu'on raconte plein de trucs concernant le sujet, ce qu'on va pas faire. On va improviser du coup. Ce qu'on fait généralement, c'est un générateur, on peut pas créer quelque chose. Tu as créé ce générateur de logo, non? Est-ce qu'on peut lier ça à un dictionnaire et rajouter des mots aléatoires? Il y a un répertoire avec des mots, on va juste rajouter. Et du coup, ça va nous créer des slides aléatoires. Bon, on va cliquer sur « Générer ». Compote de pommes. Des films qui sont vraiment très fatigués. Faudrait juste le vendre. Du coup, les dauphins, ce sont les anges, ce sont tous les volontaires à ce congrès. Parce qu'ils travaillent autant, ils sont éreintés. Et dans la cuisine des anges, ils reçoivent de la compote de pommes. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux qu'on réessaye peut-être? On va peut-être avoir quelque chose de plus intéressant. Je rappuie sur générer. Succulent. Chance de trajet en train chanceux. Ah, ça me rappelle quelque chose, mais on va pas vraiment pouvoir avancer avec ça. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve autre chose. On pourrait peut-être implémenter de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé quelque chose, ça s'appelle Talk to Transformer. Et on peut rentrer un texte et l'outil va me générer un texte d'ouverture pour une cérémonie. Donc je vais commencer à rentrer quelque chose en anglais. Welcome, bienvenue tout le monde. Bienvenue au 36e congrès de communication du chaos. Et je vais cliquer sur le bouton. Et ça va me générer le reste. Malheureusement, cette année, on se rencontre au même hôtel que l'année dernière. Donc, ça va vraiment être très rempli. Je suis très excité que cette année, il n'y aura qu'une petite partie des gens qui peuvent y assister. Donc, tout le monde aura l'opportunité de rencontrer et converser avec d'autres membres de la conférence du monde entier.
Ah, bon, avec la partie avec les discussions intéressantes, oui, c'est sûr. Mais juste une petite partie, une petite population de personnes, c'est pas vraiment approprié. Donc, on va réessayer quelque chose. On va essayer. Et si on est dans le... Voilà les plus importantes règles pour cet event. Donc, mettez pas la musique trop fort, les stand-up comedy ne compte pas. Jouez avec vos propres règles. Soyez poli et courtois avec tous ceux que vous rencontrez. Pas d'alcool, pas de drogue. Et il y aura des pizzas gratuites avec différentes tailles. Donc, ramenez votre nourriture, vous en aurez besoin. Ah non, on ne peut pas vraiment vous promettre des pizzas gratuites. Qu'est-ce qu'on pourra essayer d'autre? Je pense que l'intelligence artificielle n'est pas vraiment assez avancée pour nous donner des informations sur cet event. Et si on regarde peut-être sur Twitter ce qu'on trouve sur le 36C3, et peut-être que les gens comme ça sauront ce qui les attend. Alors, allons voir sur Twitter. Ah, des stickers, super. Oh, des méta-stickers, des stickers sur des stickers. Ah, encore plus de stickers. Et encore des autocollants, on ne peut pas avoir assez d'autocollants. Ah oui, et du maté, bien sûr, très important. Et oh, beaucoup, beaucoup de maté. Oh, il faut attention, sinon on a une matécalypse qui se produit. On en a une pratiquement tous les ans et on a toujours survécu. Et... sinon, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis des semaines et qui construisent toute l'infrastructure du congrès. Tout est sur la base du volontariat et les gens sont là pour vous faire passer les plus beaux moments de l'année. Et les gens prennent leur propre véhicule avec eux. C'est pour ça qu'il y a vraiment plein de trottinettes électriques un peu partout. Ce qui ne doit surtout pas manquer, ce sont les licornes et les bains de balles. Donc, les gens doivent penser, on est vraiment juste une bourse d'échange pour autocollants où on boit pendant 4 jours uniquement du maté. Mais bon, c'est pas vrai, certaines personnes boivent aussi du chunk. Si, voilà, c'est pas vrai, il y a plein d'autres workshops, plein de gens qui font plein de choses, donc si ça vous intéresse, allez juste demander. Et en plus, il y a plein de sessions intéressantes. Les talks sont vraiment bien remplis. On a plus de 150 sessions juste sur les scènes principales. Et ensuite, on a plein de sessions sur des scènes secondaires et des sessions self-organized qui se produisent un peu partout. Donc, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ce qu'on veut encore montrer aux gens dans cette session d'ouverture. Alors, si vous appartenez à cette scène, si vous ne connaissez pas assez sur le code, on veut vous dire, vous faites partie de cette communauté. On trouve ça super important que le congrès soit tellement divers et... Nous voulons aussi vous demander de faire attention aux autres, de faire attention à vous. Un congrès comme celui-ci, surtout quand on le visite la première fois, ou même si on vient depuis plusieurs années, peut devenir très difficile. Essayez de vous reposer un peu si vos ressources viennent à la fin. Essayez de ne pas tout faire à la fois. Ce n'est pas possible avec un événement de cette taille. Si vous avez l'impression que vous avez besoin d'aide ou qu'il y a des conflits, vous pouvez aller sur ce site help.ccc.de où vous trouvez certains éléments d'aide. Mais peut-être que vous avez des ressources. Donc, regardez si vous voulez aller sur engelsystem.de
pour devenir ange. Tout cet événement fonctionne seulement parce qu'il y a tellement de volontaires qui aident. Et il y a plein de petits jobs, plein de petites aides que vous pouvez fournir sans connaissance, et c'est la sans connaissance requise, et c'est la possibilité de connaître et de rencontrer des gens super intéressants. Bon. Mon bracelet me dit qu'il faut encore qu'on utilise 5 minutes. Là, on pourrait jouer avec la salle. On pourrait répondre à des questions. On pourrait poser des questions. Donc, on va allumer les lumières un peu. Alors, levez la main tous ceux d'entre vous qui étaient au premier congrès 1C3. Ah, des mains singulières, par-ci, par-là. Et du coup, on va compter et regarder comment ça évolue. Le 2C3, le 3C3, 4, 5, 6, 7, 8, toujours pas beaucoup de mains en fait, 9, 10, 11, il y a quelqu'un qui lève la main en permanence, 13, là on a déjà trouvé des sites web avec des logos, 14, 15, 16, 17, ah là ça commence, 18, 19, 20, 21, il y a vraiment eu beaucoup de congrès, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, on a vraiment exhausté les centres de congrès. 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Bienvenue à tous. On voudrait vous demander que tous qui sont là la première fois de lever la main. Ça, c'est vraiment cool, il y en a plein. C'est cool que vous soyez là. Bienvenue à tous. On espère que vous avez un très bon congrès. Bon, Blinry, du coup, officiellement, démarre le 36C3. Soyez excellents les uns avec les autres. Hackez tout ce qui bouge. Et amusez-vous pendant les 4 meilleurs jours de l'année. Du coup, c'était la traduction. Es hat ganz viel Spaß an den 4 besten Tagen des Jahres. Viel Spaß! Ciao!